Devenir cacophonique. Puis moi, sur ça. Mon père, c'est Guten Biodestin. Moi, c'est animateur au club de débat du Coplage. Et moi, c'est un ancien débatteur. Je suis entré dans le programme ça à l'époque, on était dans Reto en 1998 dans le club du débat du collège du Coplage. Et puis nous faisons cheminement dans le programme ça et puis jusqu'à ce que nous devenions animateurs. Nous avons 20 ans dans le programme ça, l'expérience se fait comme animateur et c'est ce que je fais comme débatteur. À la sanction vraiment. L'idée est assez proche, jeune, non? Non, l'aile commencer avec vous, avec toute timidité, avec tout stress, avec toute méconnaissance d'un paquet de notions, et puis vous accompagner jusqu'à ce que lui-même soit capable de commencer à maîtriser un ensemble de notions. Donc, c'est d'abord montrer tout le monde à réfléchir, et d'elle à réfléchir, et d'elle à approfondir les notions que vous attendez dans la télévision, dans la radio, dans le courrier, faire aller au profond des choses, faire les maîtriser, jusqu'à ce que vous capable de faire, lui-même soit capable de parler. Cette job voudrait limiter la prison au criminel. Nous n'allons pas. Ce qui est plus difficile dans le cadre du programme de débat, c'est faire tout le monde comprendre que on va faire un débat pour gagner forcément. Priorité dans le débat, c'est venir là, venir apprendre. M'apprendre dans la recherche que je fais, m'apprendre dans la confrontation que je fais avec les camarades, m'apprendre dans la façon de caper. Du tout, parce que si je perds, forcément, il y a une raison pour ça. Donc, m'apprendre par rapport à tout le monde. Donc, toute difficulté, c'est faire que tout le monde comprenne que c'est intéressant de gagner, mais c'est tout aussi intéressant de perdre, parce qu'en perdant, on peut apprendre un paquet de bagages. L'apprentissage qui est intéressant, c'est la patience. Parce qu'il faut suivre tout le monde depuis qu'il a commencé jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau capable de maîtrise de notion. Donc, ou même quand j'en vois par rapport avec le curriculum, par rapport avec le niveau intellectuel ou niveau universitaire, ou quand j'en vois maintenant, apprendre facilement. Mais l'enfant, mais le jeune, n'apprend pas aussi rapidement que nous-mêmes. Plusieurs générations. Les petits qui passent dans quatre programmes, si vous avez une grande bagaille que vous avez supposé qu'il y a dans ces notions, la tolérance. Donc, si vous êtes capable de vivre avec les gens qui sont à côté de moi, si vous êtes capable de discuter avec eux, sans que je ne compte avec eux, je ne suis pas obligé d'accord avec eux, discuter avec eux, et puis ensemble, à la fin, après discussion, nous avons la main, c'est une bagaille qui est plus importante que vous êtes capable de tirer dans le programme. C'est les gens qui sont avec nous, sur les personnes. Ça m'a donné un effort pour un bon animateur. Il m'a donné un effort parce que ou pas toujours disponible. Ils ont aucun travail à faire, aucune autre occupation, aucune famille, aucune étude. Mais il m'a demandé pour vous-même pour un petit temps pour capable consacrer à préparation à une séance de travail avec Timonio. Donc il faut qu'on capable préparer pour eux d'abord. Mais ensuite, il faut à l'écoute. Il faut capable attendre. Parce qu'on a nos opinions, certes, mais les enfants eux-mêmes ont leurs opinions. C'est vrai que par rapport à l'expérience, par rapport avec le niveau d'études, nous avons une façon de comprendre l'ensemble de questions, nous avons une façon de nous voir. Mais il est important pour qu'au fur et à mesure que nous avons avancé, pour nous remettre en question. Et c'est ça qu'on va prendre jeune. Elle a dit qu'elle n'a pas réfuté de manière concrète nos arguments. Elle voulait nous faire croire qu'elles ont...